On va étudier le Drat Hashem, le Daf Samech Aleph. On reprend trois lignes avant la fin du Daf Samech Amud Bet. Tanou Rabbanan, et kaspecha lo titen lo benechech, ou ben marbit lo titen lo chlecha. C'est un passage qui nous parle de l'interdit de Rémi. Et il nous parle de l'interdit de deux catégories. Et kaspecha lo titen lo benechech, ton argent, tu n'auras pas le droit de donner à ton frère avec Rémi, Nechech, en lui faisant une morsure, en lui demandant des intérêts. Et bien, Marbite avec Ribite, avec des intérêts, le titan Mokhara, tu n'auras pas le droit de prêter et de donner des aliments. La Gemara a dit, Enli el Nechech Bekes, c'est Ribite Beochel. Je sais qu'il y a un interdit de Nechech, de ne pas faire Nechech quand on prête de l'argent, et qu'il y a un interdit de Ribite quand on prête des aliments. Parce que c'est comme ça que le passif, il a séparer les choses. Est-ce qu'à ce péché, le titan de l'échec, ou de marbite, le titan de l'échec, chacun il a son lave. N'échec de l'ochel minaïn. Lui, je sais qu'il y a aussi un interdit de n'échec. Le lave de n'échec, il y a aussi quand on prête des aliments. Ça nous demande, n'échec ochel. Il y a un autre passou qui me dit, n'échec ochel, qui me dit le n'échec interdit de n'échec au sujet des aliments. Et le titan de l'échec minaïn, lui, je sais qu'il y a un interdit de ribite aussi sur l'argent. Alors que le passage qui me dit au départ que le marbite, il n'y a interdit de ribite que sur les aliments. Donc, il sait qu'il y a aussi cet interdit sur de l'argent. Alors, le mar, ne cherche un autre passage qui me dit, ne cherche au sujet de l'argent. Et pourtant, ne cherche au sujet de l'argent. C'est déjà, il me donne une ne cherche que puisqu'on n'a pas besoin pour nous apprendre l'interdit de ne cherche au sujet de l'argent. J'arrive que le Neymar le cherche la chita. Parce qu'il y a déjà un passage explicite qui nous dit, quand tu achètes la rissa, tu n'auras pas le droit de faire une échec à ton frère, à lui prêter avec des intérêts. Donc, pour de l'argent, il n'y a pas besoin de nous dire que l'échec, il se rapporte sur l'argent. Et donc, pourquoi le passif, il nous répète, l'échec, kesef, c'est néo-ignan, les ribites, kesef, c'est pour deux. Puisqu'on n'a pas besoin pour l'un, on l'applique pour l'autre, pour nous dire qu'il y a un interdit de ribites aussi sur l'argent. Elle est la belle. Je sais, je connais l'interdit. J'apprends l'interdit de la Torah que sur le lové, celui qui emprunte. De malvé minaïm, d'où je sais que cet interdit est valable aussi pour le malvé, pour celui qui prête. Neymar, Neshech Belové, Neymar, Neymar, un drosha, Neymar, Neshech Belové, Neymar, Neshech Belové, il y a écrit l'interdit de Neshech au sujet du lové, il y a écrit aussi au sujet du malvé. Ma neshech, amour belové, l'ochil aktabo, ben kesef ben beochel, de la même manière que le neshech du lové, il n'y a pas de différence entre l'argent et les aliments, af beneshech, ben neshech ben beribit, il y a l'interdit et de neshech et de ribit, et sur de l'argent et sur des aliments, af neshech, amour belové, l'otachlokbo, ben kesef ben beochel, ben neshech ben beribit. Tu apprends d'ici que même quand il y a écrit neshech au sujet du malvé, c'est valable et pour de l'argent et pour des aliments, et pour l'interdit de neshech et pour l'interdit de ribite, pour le lave de neshech et pour le lave de ribite. Donc on a appris qu'il n'y a pas de différence, non pas que chez le levé, mais aussi chez le malvé, il n'y a pas de différence entre l'argent et les aliments, et qu'il y a les deux interdits, et le lave de neshech et le lave de ribite. Minaïn les rabot kol davar. Mais ce qui nous parle ou de l'argent ou des aliments. Je sais qu'il y a ribite aussi pour tous les autres objets. Elle vous demande, neshech kol davar à Sherichar. Ici dans le passage, que Nechech, il inclut toute chose qu'il va lui demander en tant qu'intérêt. Et ça aussi, c'est considéré comme un interdit. C'est inclus dans les interdits de la Torah d'Avi. Ravina Abba, Ravina lui dit, l'on Nechech be'ochel ve'loribit be'kesef tzrichika. Ravina a dit, il n'y a pas besoin de drachot spécial pour nous apprendre que le nécher, l'interdit de nécher, il se rapporte aussi sur des aliments et l'interdit de ribite, il se rapporte aussi sur de l'argent. Pourquoi? Des ici, parce que s'il y avait ici dans le passage, elle s'espéra le titan de nécher. V'ochlecha ben marbit, kibeka amra. Si ben met dans le passage qui avait écrit de l'argent, tu n'auras pas le droit de lui donner à ton ami de nécher en lui demandant des intérêts de nécher. V'ochlecha et des aliments. Tu n'auras pas le droit de lui donner ben marbit avec ribit. Kébeka amrat là, behemet, ça veut dire que c'est, en lisant littéralement le pasouk, tu retrouves l'interdit de nécher que sur l'argent et de marbit
que sur les aliments, donc tu as besoin de drachot. Hacha, il y en a que le passé ne s'est pas exprimé comme ça. Le passé qui nous dit, est-ce qu'il y a le titan au ben Nevcher ou ben Marvik le titan au Khara? Dans l'argent, tu n'as rapport à donner le Benesher et avec Ribé, tu as rapport à donner tes aliments. Car Ribé a fini. Donc là, tu peux lire le passage de la façon suivante. Est-ce qu'il y a le titan au ben Nevcher ou ben Marvik? De l'argent, tu n'as rapport à donner le Benesher ou ben Marvik avec Nevcher et avec Ribé ou ben Nevcher ou ben Marvik le titan au Khara? Et Nevcher et Marvik, ils rapportent aussi sur la suite du passage sur au Khara, sur les aliments. Les deux tuiles sont collés, tu peux les raccorder au début du pasouk et à la fin du pasouk, et sur l'argent et sur le et sur les aliments. Vatana Neymar Neymar Kama. Pourtant, la Gemara est étonnée, elle dit Vatana, lui, nous apprend avec des drachot que ça inclut une échec d'argent, une échec d'aliments. La Gemara dit Achi Kama. Il nous le Neymar Kama, si le pasouk n'avait pas été exprimé comme ça, a été en mer, j'aurais appris ça d'une Zirachava, comme ce qu'on a dit, que. On peut apprendre des autres psukim que ça se rapporte sur les deux. Arshad et Cheneyama Kra, maintenant que le pasuk est exprimé, comme ce qu'on a vu, et qu'on peut raccorder les Nechers et le Mardi, et au début du pasuk et à la fin du pasuk, Zerachava le premier. On n'a plus besoin de la Zerachava. Et la Zerachava la manie. Alors, c'est comme ça, la Zerachava, elle sert à quoi? Les Nechers, quoi, la Vara Cherichar, de l'eau qu'elle de manger. C'est pour nous apprendre que ça inclut toutes les autres sortes d'objets, pas que l'argent et les aliments. Que ça aussi, il y a interdit de ribit et que ça n'a pas été exprimé du malvé. Et donc, on a besoin de signer ça grâce à l'exerachava, qu'il y a écrit Nechef Kesef et Nechef Kesef et chez le Lové et chez le Malvé, pour lui apprendre que chez le Malvé aussi, il n'y a pas de différence entre Kesef et Ochel et tous les autres objets. Amarava. La magie de Katav Rahamana, pourquoi la Torah a eu besoin de nous enseigner un interdit? Et l'arbre ribit, l'arbre gezel, et l'arbre ona. La Torah, elle a besoin de nous dire et nous enseigner un interdit de ribit et un interdit de gezel, de ne pas voler, et un interdit de ne pas vendre, de ne pas tromper son acheteur. Pourtant, le principe, il est le même. C'est que tu regardes l'argent de ton ami sans que tu aies le droit. Et donc, pourquoi on a besoin de trois psukim? Et trois interdits, tu aurais pu apprendre l'un de l'autre. La Gemara, elle va analyser. Et la Gemara a dit cliché. J'ai besoin de ces trois, bien que c'est la même base, j'ai besoin des trois. Pourquoi? Dès que ça va faire mal à la vérité, parce que si la Torah nous avait enseigné que l'interdit de Rébite, Michoun de Chidouchou, j'aurais dit que c'est que la base interdite. Parce que c'est un Chidouchou. La fille ou Belové, ça va faire mal à même Lové, celui qui paye le Rébite. Lui aussi, il a un interdit. Et donc, c'est un grand chidouche. Donc, j'aurais pas pu apprendre de là-bas. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire les autres aussi. Mais, qu'est-ce que ça va ici, on avait vu enseigner que l'interdit de Gezel, je ne l'ai pas encore fait, parce que c'est quoi Gezel? Tu lui voles contre son gré. C'est pour ça que c'est interdit. Aval, va onar, mais j'aurais dit que onar, tu as trompé ton acheteur et malo, parce qu'il a payé en fin de compte avec toi. C'est lui qui a voulu acheter. Je sais pas, c'est pas que tu l'as volé comme un vol. Peut-être qu'il n'y a pas d'interdit. C'est pour ça que tu peux pas apprendre onar de Gezel. Si tu m'avais écrit que l'interdit de Ona, Mishum de l'Oyada de Marchil, parce que l'acheteur, en fait, il ne sait pas qu'il a été trompé pour qu'il soit Mochel. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Mais peut-être que Gezel, qui sait qu'il a été volé, peut-être qu'il a été Mochel. Et ça ne serait pas interdit. C'est pour ça que tu as besoin d'enseigner aussi l'interdit de Gezel. Donc la Gemara, elle a conclu, elle a dit Chadam et Chadal Oatia. C'est vrai, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Mais c'était Chada, mais Tarté, tu peux apprendre un des deux autres. Et lequel tu vas apprendre? L'Olechtoa, comme on a la Ribit. La Torah n'avait qu'à ne pas nous écrire l'interdit de Ribit. Et j'aurais appris du point commun entre Gezel et Ona. J'aurais pu apprendre du point commun que de la manière que Gezel et Ona sont interdits, Ribit aussi ne serait interdit. Agmara a dit mal et anar. Tu ne peux pas prendre les deux. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont une supériorité au ribit. Chez Kem, chez l'Omina, dans les deux, et dans Gezel, et dans Na, c'est sans le da, sans l'esprit de celui qui s'est fait voler ou qui s'est pris, qui s'est fait tromper. Dans les deux cas, il n'a pas l'esprit. Alors que dans ribit, Tomar et ribit, demi-dardé. Alors que dans ribit, la personne, le lové, il paye le ribit
avec plein de gré. Mamash, il est là, et il paye son rébit, il sait très bien ce qui s'est passé, et il paye le rébit. Est-ce que dans ce cas-là, ce ne serait pas interdit? Donc, le rébit, tu ne peux pas la prendre deux jours. Donc, autre possibilité. Alors, il va ramener à la blona. Avec le témana, tu n'avais qu'à prendre l'interdit de tromper son acheteur, et tu pourrais la prendre de tes ailes et de rébit d'ensemble. On m'a dit là aussi, les deux ils ont une supériorité par rapport à Onar. Mal et Onar, c'est qu'elle en derrière Mekar ou Mekar. Mekar, les Gezel et Onar, c'est pas un instrument. Gezel et Ribit, c'est pas la façon normale de faire le business. Gezel, c'est volé. Et Ribit, tu l'as pris un intérêt. C'est pas un business. Tu as sauté sur l'occasion qu'il avait besoin de l'argent pour pouvoir lui retirer de l'argent. Mais ce n'est pas la façon normale. Alors qu'on a de tromper son acheteur, c'est en fait la façon normale de faire du business. Et là, l'Olisto va quand même, donc tu ne peux pas prendre de là-bas. Troisième possibilité, l'Olisto va quand même à la Begezel. La Torah avec elle ne pas écrire l'interdit de voler. Et j'aurais pu apprendre les deux autres, de Ona et de Ribi. Parce que qu'est-ce que tu vas me placer cet enseignement? Qu'est-ce que tu vas me dire? Mal Ribi, tu tiens un chidouche. Tu vas me dire quoi? Non, tu ne peux pas prendre de Ribi. Parce que Ribi, c'est un chidouche. Quand même, le Lové, il a pas le payer le Ribi. Il a interdit de payer son Ribi. C'est un grand chidouche. Je vais te dire, Ona, tu rires. Ona, il va te prouver que c'est interdit aussi, bien que ce n'est pas interdit. Pour le loquer, l'acheteur, il n'a pas d'interdit. Quand même, c'est interdit. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire, mal, on a, chacun, le yada de machi, on a, c'est un grand chidou, je sais qu'il fait un instrument. Au contraire, on a, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. C'est parce qu'il ne sait pas pour qu'il soit mochel, l'acheteur qui a été trompé. Ribit tochiach, le ribit dit que bien qu'il sait, quand même, c'est interdit. Et donc, vechazaradin, je raccorde les deux à la chote, et l'on a, et le ribit. Et je dis l'oréalisé qui réalisait, mais l'oréalisé qui réalisait, oui. La Khumra de l'un ne ressemble pas à la Khumra de l'autre. À terre d'achever chez Baem, leur point commun, c'est ça, c'est sûrement ça, le point commun qu'il y a entre les deux, qui nous ramène le point final que c'est interdit. C'est quoi le point commun? C'est qu'un gosse-là, tu lui prends de l'argent, qui ne lui arrive pas. C'est pas censé arriver chez lui. Et dans Onaha, il lui prend de l'argent. Il a trompé, il a pris de l'argent, il a pris plus cher pour à son acheteur. Et dans Ribit, il lui prend de l'argent de plus que ce qu'il lui a prêté. Donc c'est ça le point commun. Et donc, Afania Vigezel, si le point commun il est qu'il lui prend de l'argent sans qu'il lui appartient pas, Afania Vigezel, le Gezel aussi, tu pourrais à la prendre ici, qu'il lui prend de l'argent sans que ça lui appartient. C'est interdit. Et donc, le Gezel, tu aurais pu l'apprendre du point commun sur les deux, on n'aurait pas eu besoin de nous enseigner un interdit spécial pour le Gezel. Amri, la Gemara, elle répond à Guy Achinami, effectivement. Et la lave de Gezel, la Mali. Pourquoi on avait besoin de dire le lave dans Gezel? Et mais le lave de Gezel, la Gemara a dit, le Kovesh sera passé. Il vient nous apprendre qu'on n'a pas le droit de ne pas payer un salaire à son salarié, à son salarié, à celui qu'on doit lui payer son salaire. Et si on ne le paye pas, on prend bien l'interdit de l'autre. Et c'est pour ça que la Torah a enseigné. La Gemara a dit, Kovesh sera passé, il va y activer. L'Ota Ashok, Shirani, Vébia. Il y a un pasouk me fourrache pour Kovesh Shachar Sakhir. Le pasouk qui nous dit L'Ota Ashok, Shachar Sakhir, tu n'auras pas de garder chez toi le salaire du pauvre et du pauvre. Pourquoi on avait besoin de ce deuxième pasouk? Parce qu'on a dit l'avoir à la bûche de la vie. La Torah, elle a venu nous dire qu'on transgresse de la vie. Et l'Ota Ashok et l'Otikdol quand on ne paye pas le salaire. La Torah a dit que le Kuno Bejibi dit qu'on a l'avoir à la bûche de la vie. C'est comme ça, tu n'avais qu'à nous dire. C'est l'interdit de l'autre, il vient nous apprendre pour Ribit qu'on n'a pas le droit de prêter des Ribit et on a qu'on n'a pas le droit de tromper. Et de lui dire, c'est vrai que ça a été écrit dans la Torah, ça sont ces interdits, mais le l'autre, il vient nous enseigner qu'il y a un deuxième lave. Il m'a dit d'abord à la Médiméniano. Le l'autre, il a été écrit dans la paracha du salaire, et donc c'est pour ça qu'on l'applique en tant que deuxième lave pour celui qui ne paie pas son salaire. Le salaire. Benyana descriptif, ça a été écrit au sujet du script. L'otignovo, excuse-moi, Benyana descriptif. Et au sujet de l'olam de Gezel, il a été écrit au sujet du sakhir.
C'est pour ça qu'on l'a appliqué en tant que deuxième lave pour la personne qui ne paye pas le salaire à son ouvrier. Maintenant, le deuxième lave qu'il y a de ne pas voler. Aussi, on aurait pu l'apprendre de Ribit et de Onara, comme ce qu'on a dit. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire l'otikinevou? L'Ichnetania. La Gemara a dit, ça vient nous apprendre, le lave de l'otikinevou, il vient nous apprendre un chidouche qui est écrit dans la vraie étape suivante. L'otikinev, almenat et mekat. On n'a pas le droit de voler, même pour rendre. Celui qui vole pour rendre, il a fait un coup à son ami, il lui prend son objet, il compte lui rendre. Quand même, il transverse l'interdit de l'otigna. L'otigna va le mener à ta chilène parce qu'il est au ou bien une personne, il vole à son ami pour lui payer le double. Aussi, il transverse l'interdit de l'otigna. Et c'est ça le chidouche qu'il y a dans le passage de l'otigna. Amal le Raveïra le Ravashi. L'acte de Katava Khamana Bebishkolot, l'Amali. Pourquoi la Torah a besoin de nous enseigner un interdit spécial de ne pas tromper les poids? Amaré, le Tomen Mishkelotav Vemelach. Il lui a dit, pourtant, quand on trompe les poids, on vole en fait les acheteurs. On fait comme si ils ont acheté plus de kilos que ce qui est que la vérité. Et donc, on trompe les acheteurs. Et donc, c'est vraiment inclus dans l'interdit de voler. L'Agmara a dit, Amaré, le Tomen Mishkelotav Vemelach. C'est pour nous enseigner un interdit pour une personne qui met ses poids dans du sel. Et là, le sel, il alourdit, d'après un pirouche, il alourdit les poids. Et donc, c'est un interdit qui se rapporte sur l'acheteur. Et il y a un autre pirouche qui dit, dans la Rishonim, qu'au contraire, le sel, il allège le poids et c'est un interdit pour le vendeur. Donc, on a dit, Aïnou Gezel, c'est vraiment, Aïnou Gezel Malia, c'est vraiment un vol. Pourquoi on a besoin d'un lave spécial pour ne pas tromper les poids? L'avoir à lave, Michel Atatia. C'est pour nous interdire, pour nous donner un interdit, un lave, la personne le transgresse dès le moment où elle fabrique ses faux poids. Elle met ses poids dans du sel. Dès ce moment-là, il transgresse l'interdit. Bien qu'il n'a pas encore volé, il n'a pas encore trompé aucun acheteur ou aucun vendeur, quand même, il a déjà transgressé l'interdit. Ça nous rappelle l'otasuavel bamishpat. Vous n'avez pas le droit de tromper vos mishpat, vos lois. Bamida, dans les mesures, vous n'aurez pas le droit de faire de fausses mesures. Bamishpat, dans des faux poids. Ou bamisura, et dans mesura, Gemara a expliqué c'est quoi? C'est les mesures d'eau. Bamida, je vous mets d'être quelqu'un. Les mesures de mesurer, c'est de ne pas fausser les mesures des champs. Selon il donne l'échad du mot Hama, mais l'échad du mot Hachamim. Le Dayan, il n'a pas le droit de mesurer le champ. Il y a deux associés, deux frères, par exemple, qui veulent partager le champ. Il va mesurer avec la corde qui mesurait le champ. Pour l'un, il va mesurer en hiver et pour l'autre en été. Alors que la corde avec la chaleur et le froid, elle change de mesure. Et donc, quand il va mesurer pour l'un avec la corde en hiver et pour l'autre en été, ça va tromper complètement la mesure. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Bamishkal, de ne pas tromper les poids, cela a été Mishkal Tabam. Alors, ce qu'on a vu, on n'a pas le droit de mettre le poids dans le sel. Ou Bamishura, chez l'eau Yerkiar. Quand il vient mesurer à l'acheteur, le vin qu'il a acheté, il n'a pas le droit de verser vite, parce que là, ça fait de la mousse, ça trompe la mesure. Il va lui vendre comme s'il a vendu beaucoup, et en fait, il y a de la mousse dedans. Alors, Gemara dit, Valot Varim Kalvachomer, il y a ici un Kalvachomer à faire, ou même Metsura chez Yechad Mishvashim, qui déjà la mousse en question de laquelle on parle, c'est un trentième, le loup d'un log, Iskida à la Torah, quand même, la Torah avait dit de faire attention à ça, quand on vend, Kalvachomer Lehim, Kalvachomer, qu'on devra faire attention. Il n'a pas trompé son acheteur, Behin, Khatiin, Veshrichitaïn, Verevitaïn, Velug, Vechatilug, Verevitaloug, de toutes ces mesures-là qui sont en fait plus qu'un trentième de loug. C'est un quart de loug, un demi-loug, un loug, etc. C'est des grandes, plus grandes mesures que la Kalva Khomer, qu'on devra faire très attention de ne pas tromper son acheteur.
Amarava, la malédiction de Rachmana était de Mitzrayim de Rébi. Pourquoi la Torah elle a mentionné la sortie d'Égypte dans l'interdit de Rébi? Il a dit, tu devras te rappeler de la Yetzias de Mitzrayim et tu ne devras pas prêter Bérébit. Quel rapport entre Yetzias de Mitzrayim et Rébi? Et il y a Yetzias de Mitzrayim aussi a été mentionné, il y a Bessidit, au sujet de la Mitzvah de Bessidit. Yetzias de Mitzrayim, Yetzias de Mitzrayim aussi, elle a été enseignée au sujet de ne pas fausser les poids. Quel rapport il y a entre ces choses-là et Yetzias de Mitzrayim? Amar HaKadosh Baruch Hu. Ah, il a dit à Hachem, Aniou, Shivchandi Bemitraim, c'est moi, comme en Mitraim, je fais la différence, Ben Tipa Shel Bechor, Ben Tipa Shel Eino Shel Bechor. Je fais la différence entre ceux qui sont Bechor et ceux qui ne sont pas Bechor. Pour pouvoir tuer les premiers-nés de Mitraim, pour savoir c'est qui le premier-né, c'est quoi Hachem qui peut savoir? Qui peut savoir c'est qui le premier-né de tout le monde? Et donc, Aniou, et donc c'est moi qui a fait ces différences-là, c'est moi, Chatid Bipara, c'est moi qui va punir par la suite, Mimi chez Tolema Otam, c'est celui qui fait semblant que son argent, c'est l'argent du goy, on m'a levé Otam et Israël, et il dit, c'est pas mon argent, c'est l'argent du goy, voilà, je te prête avec intérêt, rembourse l'argent, rembourse-moi l'argent, et je rembourserai au goy, il fait semblant que c'est l'argent du goy, comme ça il a prête Bérébit, et celui-là, c'est que Hachem qui peut savoir c'est quoi la vérité, à qui vraiment appartient l'argent. Et là, c'est Hachem qui va lui punir. Ou Mimi, Hachem, il va aussi punir. Mimi, c'est toi-même, mais c'est le malade, celui qui a mis ses poids dans du sel. Que c'est que Hachem aussi qui peut savoir est-ce qu'ils sont faussés ou pas. Ou Mimi, c'est toi le Kalaïlan de Bigdo, et Hachem, il va punir aussi celui qui met des fils de Kalaïlan, qui ont une couleur bleue à Dieu, qui ressemble vraiment au prélète, sur lequel on a une mitzvah de le mettre. Avec les petits tiotes. Et lui, au lieu de mettre du vrai trélet, il met ce Kalaïlan qui ressemble au trélet, il va en mettre trélet tout, et lui, il dit, voilà, regardez, j'ai ce trélet. Ça, c'est Hachem qui peut faire la différence, et c'est lui qui va les punir. Donc, c'est ça le rapport entre les tiens et les mitzvahs, mais c'est mitzvot-là. Ravina, il grave les sourates des poids. Ravina, il est arrivé à la sourate des poids, c'est un endroit prat. Amalé, Rapranina, mis sourate des poids, c'est Ravina. Rapranina, de sourate des poids, là-bas, il a dit à Ravina. Pourquoi la Torah a mentionné la sortie d'Égypte au sujet des shratim, l'interdit de ne pas manger les insectes. Amar Kadosh Baruch Hu lui a dit, Hachem il a dit, Ani ushi vrandi, men tipa shel bechor, le shena shel bechor, et moi qui en Mitzrayim, j'ai fait la différence entre les premiers-nés ou ceux qui n'étaient pas les premiers-nés, donc c'est moi, j'ai la force de faire cette différence. Ani, c'est moi aussi, Atid Ipara, c'est moi aussi qui va punir. Je vais punir celui que il va quelqu'un qui mélange des entrailles de poissons tméim avec des poissons théorim et il les vend à un juif en tant que poisson tahor. Là, on ne peut plus savoir d'où il vient et c'est que Hachem qui va savoir la différence, c'est Hachem qui va les punir. Amarlé lui a dit Anna, Amalek Kachali. Toi, tu m'as expliqué la différence entre celui qui a, Hachem, qui a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Tu m'as enseigné le rapport avec ça. Mais moi, j'ai eu la question, pourquoi le pasouk qui nous dit Amalek? Je nous ai fait monter. Pourquoi le Torah nous a utilisé ce langage de monter d'Égypte? Pourquoi ici, la Torah elle a utilisé ce langage de Maalek, qu'Hachem nous a fait monter d'Égypte? Alors que dans les autres endroits, il y a écrit Hachem nous avait sorti d'Égypte. Amaré lui a dit, c'est Tana de Rabbi Ishmael. Ce rapport, ça va nous enseigner ce langage de Maalé, il vient nous renseigner l'enseignement de Rabbi Ishmael. C'est Tana de Rabbi Ishmael. Amaré Kadosh Baruch Hu. Il m'allait, l'olé qui venait de venir Israël, Mim Israël, et Rabbi Shuil d'Avarzé. Si je n'avais fait monter les venus Israël de Mitzrayim que pour cette chose-là, chez El Mitamim Beshatim, qu'ils se rendent pas impurs avec des insectes, taïaï. Ça aurait suffi déjà de les faire monter des rites. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le Hachem de monter, parce que ça montre une mahala spéciale, une grandeur spéciale qu'il a avec le d'Israël, qui ne se rabaisse pas à se rendre tamé avec des insectes impurs. Amarle ou minafish agraï ou est-ce que Bémet, de faire attention au shratim, c'est encore un plus grand sakhar que Tfeniribit, Vemetitif et Memishkolot, plus un plus grand salaire que de ne pas prêter Beribit et de Titif, et à mesure de Titif et de faire attention au Mishkolot. Amarlé, il lui a dit, à part le gazelon, affiche effectivement, c'est lui bien qu'il n'y a pas un plus grand sakhar dessus,
C'est tellement maouz, tellement dégoûtant devant Hachem de manger ces choses-là, qu'il y a une grandeur spéciale. On peut utiliser ce langage de Mahalé pour ce lien-là, que l'Israël se sépare de toutes ces choses qui sont dégoûtantes devant Hachem. On a vu dans la Mishnah, Marbe Bepero. Celui qui, on a vu dans la Mishnah, celui qui reçoit plus de fruits que ce qu'il a donné, Ketad, la carte Amenu Chitim Bedinar Zahab, il a pris du blé pour un dinar, il redonne plus. Agmar Al-Sultan, elle dit, pourquoi l'année d'Amrim Al-Adashah, la Rubi du tout? Est-ce que, pourquoi, vite la Mishnah, elle nous dit, Vézé ou Tardi, c'est quoi Rubi? Quand tous les cas qu'on a cités avant dans la Mishnah, c'était pas Rubi. Amar Rabbi Abaou, il dit, Atkan Shel Torah. Jusqu'à là, la Mishnah, elle a cité des interdits de Rubi, Nina Torah. Parce que c'est des interdits, c'est des cas, jusqu'à maintenant, c'était des cas où il avait prêté, dans un prêt, il a payé du Rubi. Mais Kanva est là, et les cas qu'on va citer dorénavant, Shel Divrehem. C'est des interdits de Rabbanan, parce que c'est des interdits de Rubi qui se retrouvent dans des cas d'achat. C'est pas un prêt, pas des prêts, c'est des achats. C'est ça qu'il disait aussi Rava, Adkan Shel Torah, mais Kanva est là, Shel Divrehem, que. Le début de la Mishnah, c'est Rina Torah, mais quand va-t-il, les autres c'est commis des Rabbanan. Adkan, Yachin Rasha avec Bosh Tadik, et jusqu'à maintenant, le début de la Mishnah, on pouvait dire sur ça, Yachin Rasha avec Bosh Tadik. Le Rasha, il va préparer cet argent, donc c'est un Rasha, il a préparé cet argent, il a reçu ces ribites-là, et son fils, c'est un Tadik, il a hérité cet argent, il peut se vêtir de cet argent. Il n'a pas l'obligation de le rendre. Ouais, c'est ça, elle dit, Atkan et Toulou, est-ce que le début de la Mishnah, le fils, il peut profiter de cet argent, et la suite de la Mishnah, il ne peut pas? C'est l'inverse. Si déjà, au début de la Mishnah, c'est Ribit Minatora, le fils, il peut en profiter, quand va commencer après que c'est un Ribit que de Rabbanan qui pourra en profiter. Et là, la Gemara, elle dit, Afin ou Atkan, Achin Racha avec Bastadi. Mais est-ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, hein, le Racha, quand il prépare cet argent, il reçoit cet argent de Ribit, son fils, il a le droit quand même d'en profiter, de se vêtir de cet argent. Atkan Ribit, pas jusqu'à maintenant, les cas du début de la Mishnah, ça s'appelle Ribit Kita, un Ribit fixé. C'est l'interdit Midorata, donc de fixer du Ribit dès le départ pour un prêt. Et Mikan Vaela Chavak Ribi. À partir de maintenant, les cas où la Mishnah a donné, c'est des cas où il s'avère qu'il a donné plus, mais c'est dans un cadre d'achat, et ou bien c'est un cadre de Ribit qui n'a pas été fixé au départ, et donc ça s'appelle Avak Ribit, c'est de la poussière de Ribit, c'est un Ribit que de Rabbana. Amar Rabbi Elazar, Ribit Ktuta, le stade de Bayari. Un Ribit Ktuta, un Ribit qui a été fixé, un Ribit Minatora, dans un prêt que dès le départ il a fixé, tu me rendras avec tant et tant d'intérêt. Yotra de Bayari. Même quand il a payé l'intérêt, le Bedin, il va ressortir cet argent du malvais, de celui qui a prêté, et pour le redonner au loré. Avak Ribit, quand c'est des interdits commis des Rabbanan, il a payé un Ribit, mais c'était que de la poussière de Ribit, et la Yotza Betayane. Ça, une fois qu'il a donné, qu'il a transgressé un interdit des Rabbanan, et la Yotza Betayane. Il ne peut pas réclamer cet argent au Bézil pour qu'il lui rende cet argent de Ribit. Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord, il dit à tout le Ribit, tout ça, Nami et la Yotza Betayane. Même le Ribit Mideoraita, une fois que ça a été payé, mais il ne peut pas la réclamer, le lover et dire attends, rends-moi cet argent, c'était interdit, c'est du ribit, rends-la moi, il ne peut plus réclamer ça au bébé. Alors Rabbi Yitzhak, il dit Maïtamad Rabbi Yochanan, mais quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Pourtant, c'est un argent interdit, il n'avait pas le droit de le prendre. Donc, une fois qu'il a pris, pourquoi on ne pourrait pas lui réclamer ça au bébé? Mais Amarika, le pasuk, il lui dit Benechech Matan, Veterbit Lakar. Quand il a donné son argent, Benesher ou Betarbit, il a donné son argent en faisant Ribit, il ne va pas vivre. Et ça, il a fait toutes ces choses répugnantes. Donc on voit avec le passage qui nous dit, il ne va pas vivre. Donc il est une personne qui prête l'argent de Ribit, le passage qui nous dit, il sera comme s'il était chayav mitab ide shamayim. Hachem, il va le tuer. Et donc, Rabbi Yochanan, il fait la drasha et il dit, les mitan itan, velo les shavar. On voit que la Torah, elle a puni cette personne-là de mourir, pas qu'il doit rendre. Donc, on voit vraiment qu'il n'y a pas l'obligation de rendre, c'est juste cette personne qui est chayav mitan. Alors, on va t'apparaître à Vahama,
Voilà. Ça lui dit à Marcal, le passage qui nous dit, Altikach meiton eshech vetarbit, veyareta meelokecha. La suite du passage de ne pas prendre les intérêts, veyareta meelokecha, tu vas craindre Hachem. Les moranita. On voit bien que ça a été donné à la crainte de Hachem de la personne, à l'irat shamayim de la personne. S'il a une irat shamayim, il devra le rendre cet argent. Mais, velo le shavon, ça n'a pas été confié au Bedin de faire ramener cet argent au lové. Ça a été confié à la irat shamayim de la personne. S'il est irat shamayim, il va rendre le Bedin. Sinon, tu ne pourras pas lui réclamer ça au Bedin. Rava Amar, Rava il dit, il n'y a pas besoin de faire une dracha, mais vous faites écrire jamais. Tu peux déduire vraiment du passé lui-même. Moi, tu m'as d'amar bon. Il va mourir cette personne qui a tué. Celui qui a prêté Beribit, il a été juxtaposé à celui qui a tué. On ne peut pas ramener la situation comme auparavant. On ne peut pas faire revivre la personne. Tu vois d'ici que même celui qui a emprunté Beribit, qui a prêté Beribit, on ne peut pas rendre et finir l'histoire. Non. Dès que ça a été donné, et puis quand il a été fait, ça ne va pas aider de ramener l'argent et la personne, il sera, comme on a dit, Khéal Vita Bete Shamay. Amar, Narmachon Barikrat, Maïta Amad Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer que lui, il dit qu'il faut lui rendre l'argent de Ribit, si on peut lui réclamer au Bédine de ramener l'argent des intérêts du Ribit. Mais à Marka, le pasuk qui nous dit, il fait la dracha, Zachai Achichaima. Ton frère, il va vivre avec toi. La suite du pasuk de l'interdit de Ribit, c'est Zachai Achichaima. Ton frère, il va vivre avec toi. Adrele. Même si tu lui as pris le Ribit, il fait la dracha qui dit, Adrele, rends-lui le Ribit que tu lui as pris. Qui est Echid Enichir. Blagar, pour qu'il puisse vivre avec toi et qu'il ne sera pas étranglé avec ce Ribit que tu lui as pris. Rends-lui le Ribit que tu lui as pris. Et il apprend d'ici Rabbi Elazar. Que le ribit doit être rendu, donc il peut le réclamer au Bedin. Mais Rabbi Yochanan, la Gemara par la suite, elle va nous entendre que si Rabbi Yochanan, lui, il apprenait, Rabbi Yochanan, que lui, il n'est pas d'accord avec les drachas. Il pense que le ribit ne peut pas, n'a pas à être rendu au lové. Qu'est-ce qu'il va apprendre des drachas à Shikhaïma? On va apprendre ça dans le verset suivant, le drachas Hachem, on va déjà répéter pour le cul, Shabbat.